Et salut tout le monde, ici c'est Floffy, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Origins. Je suis vachement lent. Voilà. Alors la dernière fois on essayé de s'échapper un peu de... de quitter Princham, mais un Ronflex nous a bloqué la route. Visiblement on a déjà vu ce scénario quelque part et on cherche la solution pour le trouver. Enfin pour le virer. Mais attends. Attends. Il y a un truc là-dedans. Non. Je vais essayer. Et ouais, on cherche une solution. Et visiblement, il n'y en a pas. Enfin, ils nous ont dit que c'était à Princham, mais. Fallait que je trouve. Je parle aux habitants. Mais. J'ai beau chercher, je ne sais point. Toi peut-être. Ouais, j'ai l'impression ok. Bon, c'est pas toi. Toi, j'imagine pas non plus. Eux, c'est ceux qui m'ont donné une quête, donc ça doit être vrai qu'ils me disent un autre truc. Bon, nous, sur la route 10, on s'en fiche. Mamie gâteau. Pas encore, j'y travaille. 9 pattes bien loin. Ouais, mais je trouve pas ton... le chat de l'âme, en fait. Ouais, je voudrais pas me plaindre. Ouais, je suis un petit peu perdu, là. Moi, je sais pas trop à qui parler. Qui c'est qui pourrait bien savoir? Toi, peut-être? Ont-ils, ouais. Des gâteaux au B, vous pensez que cela est efficace pour éveiller un reflet s'endormi? En voilà une drôle d'idée. Je n'en sais rien personnellement. Si j'étais un reflet, je me réveillerais aussitôt. Ouais. C'est évident. L'habitude, c'était. Oh non, mais tu peux que je dois trouver le chat de l'âme. Enfin, le chat crépant plutôt. Ouais. Oh. Pff. Je dois retrouver son putain de chat. Son putain de chat qui est parti vers l'ouest. Mais qu'on n'a pas trouvé. Ça va être un peu galère. Hein. Oh, ouais, ça va être long, ça va être long, ça va être long. Où a pu se cacher ce chatripant? Attendez, au pire, j'ai regardé le replay. Hop là, j'ai essayé de trouver le replay. C'est pas le bon. Et lequel? Ou celui-là? Ok. Alors, attends. Parce que je pense qu'il y avait une indication quand même sur où il était. Alors, attends. Hop là. Ouais, il est parti vers l'ouest, hein, c'est tout. Aucune idée. Il est parti vers l'ouest, t'es gentil, toi. Mais c'est Pokémon qui commence à faire chier. Tout va bien. Non, mais c'est relou, putain. Je vais pas acheter des ressources pour 3 bouts d'herbe, là. Regarde, je fais un pas. Et quand je voulais XP, j'en trouvais aucun, tu vois, je pouvais marcher 2 km, je trouvais aucun Pokémon. Qui est où ce putain de chat? C'est ce qu'il est parti Princham, il est resté à Princham. Toi, tu veux pas dire que je vais chercher à l'autre bout de la ville. Il est parti vers l'ouest, il était ici.
serait pas caché quelque part, non. Il est monté là et il s'est barré. Et pas ici. Bon, j'espère que... Non. Je pensais qu'elle me dirait où il était, mais... Il est parti par là ou pas? Non, il n'y a rien ici. Où c'est qu'il a pu se barrer? J'étais ici, il est passé là-bas. Non, il a dû sortir de la ville, hein, c'est obligé. Je vois pas pourquoi il serait redescendu par là, quoi. Le machin roule en soirée. Le temps que je le trouve pas, je pourrais pas trouver le truc pour le réflexe. Bon, il est pas ici. Il est pas là-haut. C'est un bon début. Là, il y a un snowball, on s'en fiche. Il est pas ici. Il s'est barré jusqu'où? Il a changé de pays, le machin. Cours. Oh, excellent. Bonjour l'XP. Non, non, je peux plus m'enfuir. Oh, t'es sérieux? C'est tout? Ça rapporte rien en plus. Prends des thunes. Il serait pas parti là-bas? Non, y'a rien ici. Comment je suis censé retrouver à chaque fois? À tous les coups, il doit être caché entre deux feuillages, tu sais, bien planqué. Bah cool, du moins. Je l'avais demandé, mettez les mains dans le vide. Après, t'as vu la rareté du truc. Combien de fois? Je sais pas pourquoi j'ai fait une aile, mais en soi. 999. C'est déjà un peu mieux pour XP. Mais il a quand même pas changé de route le truc. Enfin pas de route mais de... Il est là. Ah voilà le petit chapardeur. Cette fois je ne vais pas te lâcher mon gaillard. Je suis caché. Et je fais quoi là? Ah. What? Alors, chaque répond, qu'est-ce qu'il me ramène comme Kaamelott? Attends un peu. Tu te fous de qui? Regarde ce que tu m'as ramené, on dirait des trucs pour jouer à la tinette. Espèce d'incapable, je t'ai dressé pour me ramener des objets brillants. Il faut vraiment être débile pour jouer un truc pareil. Ça suffit maintenant, vous voulez me rendre si moule à gâteau. Qu'on en finisse avec cette histoire ridicule. Waouh, t'es qui toi? Tu sors de nulle part comme ça en réclamant ces machins? C'est-à-dire qu'ils ont de la valeur. T'es pas si nul en fait, chez Tripan. Espèce d'idiot, ce sont des moules à gâteau, tout ce qu'il y a de plus normal. On me la fait pas, moi, si tu veux récupérer ces trucs sans valeur, tu vas devoir t'accrocher parce que je vais pas me laisser faire. On y va, chez Tripan. Le nouveau James Bond, prends-moi ces moules à gâteau. Prends-moi ces moules à gâteau ou je fais un malheur. Aïe. Il serait peut-être temps de le faire évoluer ton chat tripant d'ailleurs. Allez. Trio Picker. Bon alors là.
C'est gratuit. Je pensais pas qu'il serait plus rapide. Voilà qu'il est beau. Ouch. Voilà. Pam padam, pam padam. Wow, je pensais pas qu'un dresseur aussi balèze était intéressé par ces trucs. C'est plus du jeu là, j'abandonne la partie. Tiens, prends ta camelote. Je sais pas ce qu'elle a de spécial, mais c'est trop gros pour moi, je me tire. À jamais, j'espère. Et là, je me tape tous les pokés du monde, voilà. Ah, si je peux pas utiliser de tunnel, genre vraiment. Putain, c'est relou, tu peux pas utiliser de tunnel. Ouais, je vais travailler un peu du volleyball. Super. J'ai tout enchaîné. Parfait. Allez, go. Tenez, madame, vous voulez le gâteau? Vite, 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 vite. Rassurez-vous, je les ai trouvés. Ils avaient été volés par le chat crépant d'un voleur pas très malin. Ça alors, je n'y croyais plus, c'est un miracle. Je m'étais résigné à me mettre au jardinage. Vous m'avez sauvé la vie. Vous ne savez peut-être pas, mais je suis connu dans le coin car je cuisine des gâteaux au baies, dont humains et Pokémon raffolent. En associant du lait meumeux, du miel, une baie et un peu de savoir-faire, je peux créer des gâteaux, ouais. Faut pas que je ramène les ingrédients un peu. Je sais toi. Soit de n'importe. J'en étais sûr. Oh, il faut trop de trucs. Bonjour, ouais. Ce sera un plaisir, mais j'aimerais vous demander quelque chose. Je suis actuellement à la recherche d'un moyen de réveiller un réflexe qui bloque la route 8. Sachant que ce Pokémon adore la nourriture, je me suis dit que votre talent de pâtissière pourrait être utile. Pensez-vous que l'un de vos gâteaux OB pourrait le réveiller? Ah, le fameux réflexe. Il nous pose bien des soucis, celui-là. Malheureusement, je crains que l'un de mes petits gâteaux ne soit pas assez attirant à ses yeux. Que faire? Ma foi, je connais bien ce Pokémon. Je pense savoir quels sont points faibles. Il raffole du miel. En revanche, je crois pas que de simples Pokémon ne suffiraient pas à le sortir de cette torpeur. Mais j'ai peut-être une idée. Je connais une vieille recette qui n'est plus utilisée aujourd'hui. Et qui consiste à mélanger une grande quantité de miel avec des baies remues. Des baies remues? Miel parfait. Ça serait beaucoup trop sucré pour que les humains puissent l'apprécier. C'est pourquoi elle a été abandonnée. Mais je suis sûr que ce bon Photoranflex adorerait les... Il faut donc fabriquer ce miel. Je m'en charge volontiers sur un autre. Il me faudrait 4 pots de miel ainsi que 2 baies remues. Ok, vous devrez aller au côté de la route 10, vous trouverez des sapitrines sauvages qui en produisent souvent. Je ne sais pas trop en trouver, ça fait bientôt que je n'en ai pas vu. Est-ce que j'ai des baies remues? Ah putain. Raisin, oh. Et ben on va s'éclater à trouver des baies remues. Quoi. Il faut 4 pots de miel, donc 4 apitrini potentiellement. Ils savent que ça coûte cher ou pas dans ce jeu? Alors des baies remues. Je pensais que j'en aurais, mais visiblement non. C'est pas les baies que... Que coince le reflet, j'espère. Le cas, c'est comment fait. Bon, je pense pas, c'est obvious. Bon, allez, je vais chercher les apitrini là.
Ah oui, tu veux de l'herbe, bon, voilà. On va fouiller aux alentours. Bon, il y a du dresseur. Je cherche s'il n'y a pas des baies cachées quelque part. Ça m'étonnerait que ce soit sur la route 10, hein, ce serait trop facile en vrai. Maratata. Oh, des bons chiens. Une hyper potion, cool. Ah, mais c'est énorme là. Vous avez vu la taille du machin? Ah bah tiens, trouvé. Coucou toi. Oh bah attends, il est bon, j'ai des morts. Une pépite, ouais. Désolé monsieur, je suis occupé à entraîner mon cochon à la dure. On envisage de devenir des dresseurs de haut niveau pour botter le train des vilains qui cassent tout dans notre région. On va leur montrer qui on est. C'est un noble but que tu as là, mais ne crois pas qu'il est un peu tôt pour se lancer dans une telle aventure? Pff, tout le monde me croit trop jeune, mais papy disait que l'important, c'est ce que l'on a dans les tripes. Il disait tout le temps que ces vilains qui se sont invités à Elenos finiraient par nous pourrir la vie. Ça l'inquiétait beaucoup, et puis un jour, il s'est pas réveillé. Dit comme ça, c'est chaud. C'est à cause de si papy a été bouffé par l'inquiétude. Il disait que beaucoup de gens étaient retenus par ces malfaiteurs, mais qu'ils pouvaient rien faire. Il se sentait impuissant et c'était insupportable pour papy. Ce petit carton a été confronté très tôt à la dure réalité. Alors moi je m'en fiche de ce que tu penses. Poncho et moi on va s'entraîner à fond. Et dans quelques temps on va pouvoir casser la tronche de ces nuls. Je devrais commencer par lui en apprendre un peu plus sur les combats Pokémon. Peut-être qu'il me coûtera davantage. Je comprends ce que tu ressens. Tes motivations sont respectables. Tu sais, je me débrouille plutôt bien en combat Pokémon. Et si tu veux, je pourrais t'apprendre à te débrouiller encore mieux qu'actuellement. C'est bien vrai, chic alors. T'es vraiment gentil en fait. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre, hein? Dis. Mais tu dois manquer de pratique. As-tu déjà attrapé un Pokémon? Oui, papy m'a montré comment faire avec mon chiot. Par contre, on ne gagne pas beaucoup de combats. Je crois que nous devrions commencer par les attaques. Laquelle maîtrise-t-il? Je lui dis tout le temps de faire morsure. Tu te concentres tout sur la tête, c'est un problème, quand même. Un qui a un défi statistique, comme gros yeux, en baissant la défense de l'ennemi, tu vas l'attraper plus facilement. Utilise des objets. Je donne plein de potions, mais des fois ça suffit pas. Tenir un objet, non, je crois pas. Mais il sait pas se servir d'une potion. C'est comme les dés, ouais. Mais des alices réduit les dégâts de la tête, c'est normal. Waouh! Je vais te ramener une bestiole. Oh là là! J'ai pas encore trouvé ces deux baies. Non, mais attends, D'accord, penchez-vous. Alors attends. Il veut le beurre, l'argent du beurre et tout. Mais... Alors une baie citrus et une baie zalis. J'ai aucun idée. Non mais attends, j'ai pas fini de faire les courses de tout le monde là. Regardez-moi cette route. C'est une route, hein. C'est une route. Ah, Tauros. Eh, pas mal pour l'XP. On va venir ici maintenant. Bon, il n'y a pas des E. On ne peut pas aller plus loin, j'imagine. C'est terrible, ce troupeau a subitement posté ici et refuse de laisser passer qui que ce soit. On dirait que quelque chose se prépare. Ils n'ont pas l'air dans leur état normal. Ok, bon, ça va se débloquer après. Et j'ai beau faire le tour, je trouve rien. Waouh, coucou. Tadam, tadam. Les doigts grimes, on s'en fiche. Je m'en fiche un peu. J'ai vu un objet. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. MDR. Ouais, tous ces légumes, un tuyau. Peut-être bon, temps, elle va t'écouter le fouet par an, mais ça a bien changé. Avec leurs produits chimiques, là, on pousse à une vitesse, je te raconte tout. Il n'y a pas des baies.
On est pas trop développé. Près de Bravanciel, la grande métropole du sud-ouest, là-bas les cultures ont plus. Ah d'accord. Donc c'est Bravanciel. Ok. Moi c'est derrière du travail au champ. 10 poké-dollars de l'heure. Oh putain. Donc là on peut planter les baies si on veut. Cool. Là la grange. Ouais, Taurus. On peut former l'explicite. C'est toujours un peu mieux. Un peu chiant, mais bon. 474, non. On ne crache pas dessus. Quand je suis un grand, je vais être vétérinaire, ouais. Est-ce qu'on peut se reposer là-dedans? Ok, pas du tout. Nous devons, ok. Pardon. Ah, cool. Je vais le tuer. Je l'ai dit. Salut. Excusez-moi, vous avez un problème? Où vous étiez à ça? Semblez dans la barre. Et bien maintenant que vous m'avez entendu, autant vous tout vous dire. À vrai dire, j'ai un gros problème. Ces derniers temps, nos écrémeux subissent de mystérieuses agressions. Je n'ai jamais assisté à l'une d'entre elles. Nous avons été paralysés par un de ces coins ou totalement morts de peur. Leurs emplois. Et j'ai beau multiplier les tours de garde, je n'ai aperçu le responsable de ces attaques. Elles se sont multipliées. Ok. Dans mon poste, je ne vous en fais pas, je vais vous aider à lister ce mystère. Vous n'aurez pas d'informations supplémentaires. Je me sens moins seul, ok. Pendant que je reste sur mon poste. Pour ce qui est des informations utiles, je ne sais pas trop. Mais peut-être quelque chose. Avant certaines attaques, je me souviens avoir entendu un bruissement de feuilles. J'ai également retrouvé une poudre étanche dans l'enclos de nos Pokémon. Très bien, je vais essayer de me débrouiller avec ces détails, c'est très chouette. Ok. Il me montre des choses si vous m'aidez. Ouais. En récompense, je vous donne mon salaire. Why not? Oh, un objet. Super beau. Nice. C'est juste ça. Bon, alors, cette route est énorme. Je te raconte pas. Je sais pas du tout ce que je devrais y faire, mais. Enfin, si, il faut que je trouve des apitrinis. Vous avez de l'XP ça ou pas? Pas mal. Bon, tu sais, quand t'es habitué. Alors, faut que je trouve des baies bizarres, service et citrus. De trouver toutes les baies du monde. Je suis déjà passé ici. Bon, je vais arriver au début là. Je sais pas trop. Oh, Girafarig. C'est la savane en fait. Shot. 399. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça. J'aimerais bien avancer maintenant. Merci. Là, il y a l'autre avec son ratat. Oh, écrit. Que je trouve aussi l'agresseur de l'autre, des écrémeurs. Un
toi Karim qui laisse une poudre et avec des bruissements de feuilles. Ouais. C'est-à-dire que c'est rien en fait. Je sais pas où je vais trouver les dés. Bon bah on va chercher des zapiteries. Oh bah tiens, il suffit d'en parler. Ouais mais bon, espier des Pokéballs là-dessus. Oh putain, ça y est, ça commence. Pourquoi ça te remet au début du menu? Ah là là. Ça va, ils sont pas trop grands. On fera mes tranquillou. Là tu vois, je lui fais tout ça sans problème. Attends, ça mouche. Quelqu'un qui court. Salut mon ami. Je suis censé le trouver où le truc. Peut-être aller sur la route 12, un truc comme ça. On va aller voir. Au niveau 24. Quoi qu'elle s'est fait. Il est au niveau 44, lui. On va aller voir un peu la route 12. Alors il y a des fouinettes, des fouinards. Il y a rien. Ok, un dresseur, s'il y a des trucs, il n'y a rien. Ok, il y a plus de gens. Il y a déjà un peu plus de gens. Oh, fouinettes. Je vais descendre, n'est-ce pas? Fouinard. Est-ce que tu rapportes de l'XP? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand même, ça pue la merde. Rapace de pique. Sympatoche. Ok, il m'a pas vu, c'est bon. Alors attends. Oui, il y en a un rouge ici. Eh. Ok. Et pour descendre, j'imagine que c'est le seul chemin. Exactement. Bon bah. Je m'attendais à un plus de. En fait, tout doit être en bas, ça fait chiant. Ah
Faudrait que j'aille chercher l'objet aussi, ce serait pas mal. Faudrait que je sache comment le... comment on l'obtient, ça pourrait être pas mal. Parce que je suis sûr il y a pas mal d'objets cachés que j'ai ratés, mais un truc de fou. Faudra que je me refasse toute la map. En tout cas, cet épisode va s'arrêter là parce que, bon, bah, je vais fermer les vitrines en off. Je vais essayer de chercher les baies de mon côté aussi. Et puis, je le reprendrai bah, quand j'aurai du nouveau, quoi, histoire qu'on avance. Parce que là, si je fais que des épisodes à farmer ça, ça va pas être très intéressant. Donc, je vais faire ça de mon côté. Et puis, je vous reprendrai une fois qu'on a de quoi avancer. Hein. Au moins, peut-être le gâteau. Au moins, le gâteau. Après, la baie citrus et la baie, je sais plus quoi, la Zelda ou machin, Zelda, si tu veux. On verra ça plus tard. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce vert, un commentaire, à partager et à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi, je vous laisse et je vous retrouve dans le prochain épisode. Sur ce, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien.